Cela fait plus d'un siècle que Rosa Bonheur est morte, première femme à recevoir la Légion d'honneur. Allant à l'encontre des normes, elle s'habillait de vêtements masculins qu'elle ne pouvait porter sans un certificat d'un officier de santé. Vroom, vroom, maman, tu portes un pantalon, toi, et pourtant tu n'as pas de certificat. Oui, tu as raison. Les normes sociales ont évolué et continuent à évoluer. Les normes quoi ? Une norme sociale est l'ensemble des règles de conduite destinées à orienter les comportements des individus. Les attentes de la société engendrent des normes qui font régir le comportement des individus, ce qui est permis, valorisé ou interdit. Ces normes peuvent être formelles et inscrites dans la loi. Ainsi, jusque dans les années 1900, le port de pantalon était interdit aux femmes. Mais ces normes peuvent être également informelles, édictées par de nombreux facteurs tels que la société, la culture, l'éducation, les groupes d'appartenance ou encore le genre. Certaines familles réservent encore aujourd'hui les jeux de poupées aux filles et les petites voitures aux garçons. Les normes changent selon la culture. En France, il est presque impensable pour un homme de porter une jupe en public. Tandis qu'en Écosse, le kilt est un vêtement traditionnel masculin. Et elles évoluent dans le temps. Aujourd'hui, les femmes sont libres de porter des pantalons. Le respect de la norme sociale contribue à la cohésion sociale. Son non-respect est considéré comme une déviance. Selon le niveau de transgression de cette norme, l'individu peut être sanctionné en fonction du contrôle social existant par une amende, des travaux d'intérêt généraux, de la prison, des sanctions morales ou une exclusion. Face à une norme sociale, un individu peut l'accepter ou la refuser, puis s'y soumettre ou non. On parle de conformisme, lorsque l'individu accepte et se soumet pleinement à la norme. À l'opposé, on trouvera le rebelle et l'exclu qui la refuse. Il y a peu de temps, une norme sociale a vu le jour. Elle consiste à porter un gilet jaune en manifestant les samedis. En endossant un gilet jaune, l'individu marque son appartenance à ce mouvement. On parle alors d'effet d'imitation. Ceux qui sont contre cette norme, comme les foulards rouges, peuvent être considérés comme déviants par les gilets jaunes et être rejetés du mouvement. Les foulards rouges marquent donc leur différence et se distinguent de cette catégorie sociale auquel ils n'appartiennent pas. On parle alors d'effet de distinction. Mais revenons à Rosa Bonheur. Rosa Bonheur a donc transgressé c'est une norme sociale et est devenue par la suite une héroïne. Moi aussi je vais être un héros, maman. C'est super, mon chéri. Comment vas-tu t'y prendre? Je vais me mettre en kilt. Tu en es sûre?